Alors, en tant que membre du comité du 7e, je vous souhaite la bienvenue et je remercie déjà les intervenants de ce matin. Vous avez reçu le programme de la journée. Vous pouvez vous y référer, mais je vous rappelle qu'après la conférence de ce matin, il y a une pause au cours de laquelle vous pouvez vous sustenter, soit ici, soit ailleurs, en ville, pour être là, évidemment, au moment des ateliers, du début des ateliers, à 14h30. Il y a 4 ateliers, je ne vais pas répéter de quoi il s'agit dans ces ateliers, ça a été dit hier, mais là aussi, vous avez le programme, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore vous y inscrire. Ensuite, à 16h30, encore une conférence plénière, sur l'initiative Yasumi, le buffet à 19h, auquel vous pouvez aussi vous inscrire, et puis à 21h, une soirée plus culturelle avec la présentation d'un film sur les Lakotas des États-Unis en présence des réalisatrices. Passons à la conférence de ce matin. Je reviens brièvement sur hier soir, non pas pour résumer, ça me paraît impossible tout ce qui a été dit, mais un peu pour évoquer les 3 interventions. Hier soir, il s'agissait surtout de pétrole. Le titre de la conférence était « Le pétrole est-il un bien commun ?» Mais en réalité, il s'agissait d'abord d'envisager les ressources naturelles dans leur ensemble, leur exploitation et les tensions que cette exploitation engendre. Ces ressources peuvent être naturelles, nécessaires. On peut envisager leur utilité. Elles deviennent rapidement un instrument de domination. Marchandisation entraînant des inégalités, régulation par le recours au marché, etc. Le capitalisme est en marche. Parallèlement se dégage la notion de souveraineté nationale. Souverain était le monarque, souverain est le peuple dans la République, mais à travers ses élus, ses représentants. Nous avons aujourd'hui une batterie de textes juridiques sur le plan international en particulier, auxquels on peut, on doit même se référer. Sont-ils respectés? Les États se mettent-ils au service de leur peuple? La politique ou le politique résiste-t-il à la pression économique? Le pétrole est-il un bien commun? Comme l'eau, par exemple, non, car on peut s'en passer, il ne correspond en réalité qu'à un certain type de développement. Qui choisit ce type de développement? Par ailleurs, il occasionne des dégâts considérables, sociaux et environnementaux. L'expression « bien commun », voilà une expression forte, avec 2 mots forts. Le second commun renvoyant à communauté et le premier à bien, jusque dans son sens le plus fort. Au cours des 3 exposés de hier, très riches, des allusions ont déjà été faites au pays dont il va être question ce matin, à savoir la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, la Bolivie et l'Irak. 3 pays, 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, Moyen-Orient. Nous avons ce matin 3 intervenants que je vous présente brièvement. À côté de moi, Véronique Rigaud, qui est chargée de recherche environnement et développement au Centre national de coopération développement 11-11-11,
Elle nous expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit. Ensuite, Hervé Doalto, qui est au bout de la table, qui est doctorant en sciences politiques à Aix-en-Provence, qui a fait de nombreux séjours en Bolivie et qui a publié déjà un ouvrage sur le MAS, le parti, le mouvement vers le socialisme. Et puis enfin, Francis Perrin, directeur de la revue Pétrole et Gaz Arabe, qui est aussi professeur à l'Université Mendès France à Grenoble et à l'IRIS à Paris. Leurs exposés ne devraient pas dépasser 25 minutes. Ils seront suivis de débats à partir de vos questions et de vos remarques. Mais déjà sont annoncées pour intervenir deux personnes. Tout d'abord, Raph Kusters, qui nous parlera un petit peu de l'Afrique. C'est un journaliste, chercheur, et qui travaille pour le Grésea en Belgique. Et puis Bernard Founou, qui est intervenu déjà hier, mais qui souhaite, je crois, encore intervenir aujourd'hui à propos de l'Afrique, qui est au fond le bras droit de Samir Amin, si je comprends bien, et qui travaille dans le Forum Tiers-Monde, au Forum Tiers-Monde. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Je vais donner la parole maintenant, sans plus attendre, à Véronique Rigaud. Oui, un tout grand merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous parler effectivement des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Je voudrais tout d'abord commencer par vous présenter, effectivement, Madame. Je vais essayer de parler un peu plus lentement et moi, n'hésitez pas à me faire signe si je parle trop vite ou pas suffisamment fort. Voilà, l'important c'est d'avoir un échange et que tout le monde se comprenne. Donc voilà, l'organisation pour laquelle je travaille donc, s'appelle le CNCD 11-11-11. C'est un nom un peu barbare pour présenter en fait le Centre National de Coopération et Développement, qui est une ONG belge qui coordonne toute une série de mouvements de la société civile belge qui sont impliqués dans la solidarité internationale. Donc ces organisations et ces mouvements qui sont membres du CNCD 11-11-11, ce sont à la fois des ONG de développement, ce sont des mouvements de jeunes comme les scouts par exemple, des mouvements de femmes, des mouvements de migrants, également des syndicats. Donc toute une série d'organisations, environ 80 organisations sont membres du CNCD 11-11-11. Alors pourquoi 11-11-11 me direz-vous ? Eh bien parce que le 11 novembre 1966 à 11h, donc c'est l'explication des 3-11, a commencé la première récolte de fonds collective à toutes ces organisations. Une récolte de fonds qui sert à soutenir les projets de développement que donc les organisations membres belges développent en partenariat avec des organisations dans les pays du Sud. Et donc le 11 novembre a été choisi étant donné que c'est la date de l'armistice. Cette date a été choisie symboliquement pour dire qu'il n'y a pas de développement possible sans paix et inversement pas de paix durable possible sans développement. Donc voilà, concernant les ressources naturelles en République démocratique du Congo, je vais commencer par brosser le portrait du pays, étant donné que je... Pardon ? Bien dans le micro, pareil. Étant donné que en Belgique, on se sent et on reste très proche de la République démocratique du Congo, mais je ne suis pas sûre que les réalités congolaises soient vraiment bien connues et bien comprises dans d'autres pays. Et donc, vous me pardonnerez si je,
si je présente ce qui peut paraître un petit peu comme des généralités, je pense qu'il y a certains prérequis qu'il est toujours bon de rappeler. Et donc, je vous parlerai bien sûr de l'environnement, des richesses ou du patrimoine naturel congolais. Je vous parlerai aussi brièvement de la situation économique, la situation politique et de la question des droits de l'homme, avant d'entrer vraiment dans le cœur du propos, en évoquant bien sûr le lien entre les conflits qui perdurent dans l'Est, principalement dans l'Est du pays pour le moment, et cette gestion, cette mauvaise gestion des ressources naturelles, avant d'essayer de répondre à la difficile question des leçons à tirer, parce que c'est un peu la question qui était posée, et surtout d'évoquer peut-être les perspectives ou les pistes encourageantes par rapport à la gestion des ressources naturelles au Congo. Et alors enfin, je terminerai par vous dire quelques mots sur les réseaux européens et belges dans lesquels le CNCD 1111 est impliqué, en partenariat avec le réseau Ressources Naturelles Congolais, qui est vraiment une organisation partenaire de longue date du CNCD 1111. Donc le réseau Ressources Naturelles Congolais étant lui-même un réseau de 220 organisations qui sont présentes sur tout le pays, et qui travaille sur la gestion des ressources, aussi bien les ressources géologiques que les forêts, la question des hydrocarbures ou encore l'eau. Donc voilà, le pays, la République démocratique du Congo, est un pays immense. Je ne sais pas si vous avez une idée de la superficie. On parle de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et quand on compare en fait la superficie du Congo avec d'autres grandes régions dans le monde, en fait le Congo correspond à la superficie de l'Europe des 12. Donc pour vous donner un peu une idée de l'étendue du pays, ça représente 4 fois la France, et par rapport à la Suisse, si mes calculs sont bons, c'est 57 fois l'étendue du territoire. Alors quand on survole le Congo, La première chose qui marque, donc je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises. Celle-ci, donc cette première photo, a été prise lors d'un vol entre Kinshasa et Kisangani. Donc Kinshasa étant la capitale, Kisangani, la troisième plus grande ville, qui se trouve pas complètement de l'autre côté du pays, plutôt au niveau du centre, mais du côté nord-est. Donc quand on survole le pays, voilà ce qu'on voit par la fenêtre. On voit des immenses étendues de forêts. La forêt couvrant environ 135 millions d'hectares, c'est-à-dire plus de la moitié de la surface du pays. Évidemment, cette forêt est très très riche en termes de biodiversité. On voit également, donc ici on voit en fait le fleuve Congo, on voit d'énormes ressources d'eau, des ressources d'eau douce. Et donc il y a bien sûr le fleuve Congo qui traverse vraiment tout le pays, mais il y a également des lacs dans l'est du pays, notamment le lac Albert, le lac Kivu et le lac Tanganyika. Et donc évidemment, il y a à la fois ces énormes ressources d'eau douce en surface, il y a également énormément de ressources dans le sous-sol, donc des nappes phréatiques et des nappes fossiles. Et il y a évidemment un énorme potentiel de pêche dans toutes ces réserves d'eau douce également. Alors en termes de terres, évidemment, étant donné l'étendue du territoire, bon, il y a plus de la moitié des terres qui sont couvertes de forêts, mais il y a également énormément de terres disponibles pour les cultures, dont certaines terres sont, il faut le dire, très fertiles, notamment dans les régions plus volcaniques de l'est du pays. Et alors, oui, donc là, on est toujours à la photo sur les ressources d'eau douce. Pardon, j'ai oublié de vous demander d'avancer. Donc voilà, si vous voulez bien passer à la suivante. Donc, vous voyez ici un paysage plutôt marécageux. Donc ici, c'est une photo qui a été prise dans le sud, vraiment dans le sud-est du pays, aux sources du fleuve Congo. Alors, la photo suivante. Donc ici, c'est plutôt un paysage de savane. Donc vous voyez vraiment la diversité des... La diversité des climats, et donc la diversité biologique, évidemment, étant donné ces climats différents, ces latitudes différentes. Et alors la photo suivante, s'il vous plaît.
Voilà, on en vient maintenant aux précieuses ressources géologiques. Il faut savoir que le Congo compte dans son sous-sol plus de 1100 substances minérales différentes. Et ces substances minérales se trouvent principalement dans quatre régions, donc dans le sud-est, dans la province du Katanga, dans les deux Kassai, qui sont plutôt au centre, au sud du pays, alors également dans le nord-est du Congo et dans les deux provinces des Kivu et dans le Maniema, donc ces provinces se trouvant à l'est. Et donc vous voyez que vous voyez ici une photo prise à Lubumbashi où on voit donc le fameux terril des résidus de l'extraction industrielle des années passées, principalement de la période coloniale, et les creuseurs artisanaux qui continuent d'aller exploiter au quotidien les résidus de ressources qu'ils peuvent trouver à même le terril. Alors la photo suivante ou la carte. Oui, donc cette photo en fait a été prise également à Lubumbashi et c'est la route qui mène directement vers la Zambie. Donc la Zambie étant le pays limitrophe au sud. Et donc vous voyez ce camion qui est chargé de minerais qui s'apprête à traverser la frontière, d'où les ressources seront directement exportées vers d'autres pays, notamment vers des pays d'Asie tels la Chine, qui se charge de la transformation des ressources. Donc c'est un peu la situation au Congo, les ressources sont extraites mais ne sont pas transformées ou traitées, ou très très peu traitées ou transformées sur place. Elles sont très souvent directement exportés vers les pays limitrophes qui eux-mêmes les exportent vers d'autres régions. Alors la photo suivante s'il vous plaît. Donc voilà la carte pour vous présenter brièvement le Congo. La capitale Kinshasa, je ne sais pas si. Ah ben voilà, la capitale Kinshasa donc, se trouve vraiment à la pointe à l'ouest. La deuxième grande ville est donc Lubumbashi qui se trouve dans la région sud-sud-est. Et alors la troisième grande ville dont je vous parlais est Kisangani, plutôt au centre, mais du côté nord-nord-est. Et alors les provinces les plus intéressantes, entre guillemets, en termes de ressources géologiques, sont les provinces de l'est, donc les Kivu. Toute la région du Katanga et en particulier les alentours de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, etc. Et alors les Kassai qui sont très très riches en diamants. Alors en termes de ressources, donc, ce sont principalement des diamants, de l'or, du coltan, donc des ressources qui ont une très très haute valeur intrinsèque. Mais également le cuivre, l'étain, le manganèse, le plomb. Donc on a toute une série de ressources qui sont exploitées depuis, qui sont extraites depuis très longtemps. Le Congo a également du charbon, de l'uranium, du pétrole. Donc vous voyez que le Congo est un pays très très riche en termes de ressources. Et on parle à ce sujet très souvent de scandales géologiques pour décrire le Congo. Alors en termes de situation économique, politique et en termes de droits de l'homme, donc là je vais rapidement brosser la situation du pays pour que vous ayez un aperçu général et puis si vous avez des questions, des commentaires, on pourra approfondir par la suite. Donc en termes politiques, en fait, il faut savoir que le Congo était une colonie belge jusqu'au 30 juin 1960, date de son accession à l'indépendance. Suite à cette indépendance, il y a une période de troubles politiques pendant quelques années, jusqu'à ce que Mobutu Sese Seko prenne le pouvoir par coup d'État en 1965. Il est resté au pouvoir jusqu'en 1997. Date à laquelle en fait Laurent Désiré Kabila est entré dans le pays avec ses hommes et ses fractions armées, progressant jusqu'à Kinshasa. En 1999 a été proclamé un cessez-le-feu avec les différentes parties belligérantes qui étaient installées sur le pays. Et donc Kabila est resté à la présidence du pays jusqu'en 2001, date à laquelle il a été assassiné, et c'est son fils Joseph Kabila qui a pris la succession.
Et alors, Joseph Kabila a ensuite convoqué les différentes fractions belligérantes qui étaient présentes sur le territoire du Congo, de manière à négocier un accord de paix, qui est l'accord de Pretoria, qui a été donc signé en 2002 en Afrique du Sud. Et dès 2003, c'est un gouvernement de transition qui a été mis sur place, un gouvernement avec un statut un petit peu particulier, puisque donc Joseph Kabila est resté à la présidence, mais il a été accompagné de quatre vice-présidents qui représentaient chacun les différentes fractions belligérantes. Ce gouvernement de transition avait pour mission de préparer la tenue d'élections démocratiques qui ont eu lieu en juillet 2006 et donc qui ont vu la victoire de Joseph Kabila. Et alors en termes d'agenda politique, l'année prochaine sera une année particulièrement intéressante étant donné qu'on arrive à la fin du mandat, du premier mandat de Joseph Kabila. Et donc de nouvelles élections devront être organisées, ce qui est évidemment un défi, un challenge en soi étant donné le manque de moyens pour soutenir la logistique de ces élections. Et donc la République démocratique du Congo compte à nouveau sur l'aide, le soutien internationaux pour l'organisation de ces élections. Alors pour un aperçu rapide au niveau économique, le Congo est un des pays les moins avancés en termes de développement. Donc on parle très souvent de pays industrialisés, pays développés. Il y a les pays émergents, il y a les pays en développement, et puis il y a les pays les moins avancés, et voilà, le Congo est l'un d'eux, étant donné qu'il manque de pratiquement toutes les infrastructures essentielles, que ce soit l'accès à la scolarisation, les infrastructures en termes d'école, en termes de santé, tout ce qui est couverture sociale n'existe pratiquement pas. Même l'accès à l'électricité, à l'eau courante est difficile, même dans les grandes villes. Donc, ne parlons pas des campagnes ou des villages un peu plus isolés. Les routes sont difficiles, les chemins de fer ne sont plus entretenus depuis très très longtemps et fonctionnent aussi très très mal. Et donc tout cela nous fait dire que le Congo est un état faible, entre guillemets, et un état d'autant plus faible que en termes de gestion des ressources. Les administrations, étant donné que leurs agents sont un peu ou mal payés, leurs agents manquent de moyens financiers et humains pour pouvoir accompagner de façon efficace la gestion des ressources, pouvoir contrôler, vérifier, taxer, etc. On a tout un système qui fonctionne avec une prédominance du secteur informel, avec énormément de corruption, évidemment, et un appareil judiciaire qui est très faible et donc une impunité permanente qui n'encourage pas, en tout cas qui ne crédibilise pas l'État, qui n'encourage pas une meilleure gestion des ressources. Alors, pas mal d'États et de grandes entreprises, notamment les multinationales, se disent réfractaires à investir dans un tel contexte d'incertitude économique et d'incertitude de développement. Mais il ne faut pas se leurrer, certains États et certaines entreprises multinationales profitent vraiment de ce flou et de cette situation de non-droit, étant donné que vous connaissez tous le bon vieux principe économique, au plus il y a de risques, au plus on prend des risques, au plus les profits potentiels sont importants. Et donc, pour citer notre partenaire du réseau Ressources naturelles congolais, Joseph Mobia, lui, il dit « Le peuple congolais se fait voler ses propres ressources par les Congolais, par des Congolais qui se font corrompre et qui s'associent aux pilleurs, qui attisent les conflits et qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. » Donc on ne peut pas dire pour autant que rien n'est géré et que rien ne fonctionne au niveau de l'État congolais, parce que depuis la transition, depuis la période de transition et depuis les dernières élections de 2006, il y a eu quand même une volonté de reprendre le contrôle sur les ressources.
On voit ça dans certaines régions, en particulier dans la province du Katanga. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des forces qui jouent parfois en sens contraire. Il y a d'énormes pressions internationales, mais notamment des pressions des institutions financières internationales. Il y a des pressions de grands pays comme la Chine ou de pays de l'Asie de l'Est qui viennent avec une conception des choses et des moyens financiers. Disponibles très facilement parce qu'ils sont intéressés notamment par les ressources géologiques. Alors voilà, pour en venir maintenant au type d'exploitation, il faut savoir que 90% de la production minière est artisanale, avec évidemment tout ce que cela implique en termes de conditions de travail, de conditions de vie pour les 8 à 10 millions de personnes qui travaillent quotidiennement dans ce secteur. Alors leur faiblesse à tous ces creuseurs artisanaux, c'est qu'ils travaillent de façon éparpillée et sporadique. En général, ils se débrouillent pour avoir plusieurs sources de revenus. Donc ils travaillent dans les mines, mais ils font aussi parfois du petit commerce ou des petites transactions à gauche à droite pour essayer d'avoir un peu d'argent. Ils vont creuser dans des conditions absolument révoltantes, dans le sens où ils n'ont absolument aucune protection. Ils doivent vraiment, ils entrent dans des mines qui ressemblent à des boyaux comme ça, qui sont creusés dans le ventre de la terre. Il y fait irrespirable, il y a peu d'espace, il y a des éboulements très souvent. Ils n'ont pas de matériel, pas d'équipement. Et la plupart de ces mineurs ne connaissent pas la véritable valeur de ces minerais qu'ils passent leur journée à extraire. Ce qui fait en fait que ce sont les acheteurs et les négociants locaux qui profitent le plus de la situation, étant donné qu'ils achètent ces minerais aux mineurs à un prix absolument dérisoire et qu'ils les revendent au prix qu'eux estiment juste sur le marché. Et donc tous ces creuseurs artisanaux, étant donné que l'État n'assume pas toutes ses responsabilités par rapport aux infrastructures en termes de logement, de soins de santé, d'éducation, etc., étant donné que le secteur est informel et donc il n'y a pas d'entreprise qui organise vraiment ces extractions et qui non plus ne pourvoit pas aux soins de santé, ne prodigue pas de logement, ne donne pas accès à l'éducation pour les enfants mineurs. Tout cela contribue à maintenir ces creuseurs artisanaux dans des conditions de vie absolument désastreuses. Sans parler de l'insécurité, mais ça j'y viens dans quelques minutes. Et donc on a des problèmes liés à l'exploitation minière, tant au niveau de la signature des contrats, de la négociation des contrats et des concessions qui sont octroyées, mais également dans l'encadrement de l'extraction, que ce soit l'encadrement juridique, étant donné que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas ou très très mal, des difficultés au niveau administratif, puisque les institutions et les services gouvernementaux sont très mal équipés pour réguler et superviser l'organisation du secteur minier. Donc il y a toutes ces difficultés des conditions de vie. Il y a des difficultés également en termes d'accès aux terres, puisqu'il y a de nombreuses expropriations de petits agriculteurs de leurs terres qui se font très souvent sans consultation, ou quand consultation il y a, c'est pour juste les pousser à aller s'installer plus loin, sans indemnisation ou vraiment dérisoire. Et alors, il y a évidemment pas mal de dégâts environnementaux aussi qui sont liés à cette extraction minière, étant donné que les sites sont très, très, très rarement réhabilités après l'extraction et même pendant l'exploitation, pendant la durée d'exploitation des mines, on a de très nombreux cas de pollution, notamment la pollution des eaux, pollution des sols, et même pire que la pollution des eaux de surface, la pollution des nappes phréatiques. Et donc ce sont des pollutions qui sont très difficiles à résorber et qui empoisonnent littéralement les populations locales. Donc en termes de droits humains, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, depuis pas mal d'années, les activistes qui parlent un peu trop fort, qui sont un petit peu trop dérangeants, ont tendance à disparaître.
le secteur des ressources naturelles n'y fait pas exception. On a vu le cas, un cas très intéressant l'été dernier, en 2009, avec un rapport qui était publié par une organisation de défense des droits de l'homme sur l'exploitation illégale d'une mine d'uranium. Et directement après la publication du rapport, les responsables de l'organisation des droits de l'homme ont été emprisonnés. Bon, ils ont eu droit à un procès, mais sans véritablement connaître leur chef d'accusation et dans des conditions absolument intolérables. Et donc, il y a énormément d'intimidation sur ces gens qui contribuent à défendre les droits humains, les droits des creuseurs, et qui dénoncent cette mauvaise gestion des ressources naturelles. Et donc, pour appuyer un petit peu les propos qui étaient prononcés hier soir par certains participants congolais, il y a un article très intéressant d'un partenaire du réseau Ressources Naturelles qui a été publié dans une revue dont je vous communiquerai les coordonnées. Et je le cite, donc lui il dit « On note la présence de milices armées qui contrôlent des sites miniers et sèment la panique et la désolation dans ces sites. Ces hommes armés violent des femmes et des filles, recourent à une main-d'œuvre forcée, souvent dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses, commettent des actes d'extorsion systématiques et imposent des taxes illégales à la population civile. Ils soumettent également à des actes de violence et d'intimidation les civils qui refusent de travailler pour eux ou de leur remettre les minerais qu'ils ont produits. » Donc vous voyez que c'est une situation absolument intolérable. On parle trop peu aujourd'hui de la gestion des ressources en République démocratique du Congo, et en particulier de la situation dans l'est du pays, qui est, disons-le ouvertement, une situation de conflit qui est absolument insoutenable pour l'époque dans laquelle on vit. Alors, on évoquait aussi hier soir le rapport sur le développement humain 2010 qui vient de paraître. Eh bien, le Congo est classé 168e sur 169 pays. Donc, il faut savoir que la Suisse, par exemple, est 9e au classement, la Norvège est 1er et le Congo est donc avant-dernier. Ceci nous amène donc à évoquer le lien entre les conflits et les ressources naturelles. Donc on évoquait hier soir aussi le fait que il n'y a pas vraiment de, enfin les spécialistes, les politologues internationaux disent qu'il n'y a pas vraiment de conflit pour les ressources. Pour le cas de la République démocratique du Congo, il a été prouvé que véritablement avéré que les ressources naturelles du Congo contribuent à la perduration des conflits qui durent maintenant depuis dans l'Est en particulier depuis plus de 15 ans. Voilà, comme je vous le disais, donc comme je vous le montrais également par la photo du camion qui partait vers la Zambie, les ressources naturelles congolaises sont très souvent évacuées directement à l'étranger. C'est notamment le cas au Rwanda, en Ouganda ou en Zambie, et elles sont revendues dans ces pays limitrophes. Et en fait, l'argent de ces ventes des ressources congolaises permet de financer notamment des achats d'armes et d'équipements pour toutes les milices armées qui sont présentes dans les régions minières intéressantes. Et donc c'est une dynamique bien rodée, bien entretenue depuis des années, voire des décennies, qui sévit dans l'est du Congo. Et donc les Nations Unies se sont intéressées à ce cas particulier de l'est du Congo. Et donc il y a un panel d'experts qui a été mis en place au début des années 2000. Ce panel d'experts a réalisé toute une enquête vraiment de grande envergure, a publié un premier rapport en 2001 sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses en RDC. Donc ça, c'est l'intitulé du rapport. Et alors, ce premier rapport a évidemment été critiqué et a reçu énormément de pression, notamment des grandes entreprises qui étaient incriminées et des pays limitrophes qui étaient incriminés. Et donc, le rapport a été précisé, complété. Il y a une seconde version qui est sortie à la fin de l'année 2001, puis en 2002 et en fin 2003. Le dernier rapport sur le sujet a été publié.
Alors, ce qu'il en ressort eh bien, de ces rapports, c'est tout d'abord toute une série de grandes entreprises occidentales qui sont incriminées, qui ont évidemment été classées en fonction de leur implication dans la gestion des ressources congolaises. Ou l'exploitation illégale. Et alors, surtout, il ressort du travail des experts des Nations Unies un modèle qui explique en fait vraiment le lien entre les pillages systématiques de ressources naturelles et le financement des groupes armés qui ont suscité et fait perdurer le conflit en République démocratique du Congo. Alors en conséquence, ce rapport au niveau congolais, donc l'Assemblée nationale a mis sur pied une commission, la commission Lutundula, qui a été chargée d'examiner la validité des conventions autour de la gestion des ressources naturelles qui ont été conclues pendant les guerres, donc les années 96 à 98. Et donc cette commission avait pour mandat de travailler sur la période de septembre 96 à juin 2003. Le rapport a finalement été rendu public en 2006 après d'énormes pressions de la part de la société civile et de différents mouvements, étant donné que bon, évidemment le rapport contenait des dossiers et des contrats que certaines entreprises ne voulaient pas voir remis en cause. Et donc donc voilà, cette commission a demandé à pouvoir continuer son travail. Je vous avoue que je n'ai pas suivi la situation récemment, donc éventuellement des personnes de l'assistance auront peut-être plus d'informations complémentaires à ce sujet. Mais donc voilà, il y a eu des suites congolaises et des suites congolaises qui ont été freinées dans tous les cas. Alors au niveau belge, étant donné qu'il y avait certaines entreprises belges qui étaient également mises en cause, on a une commission d'enquête parlementaire qui a été établie au niveau du Sénat. Et qui a remis elle-même un rapport en 2003. Ce rapport pointe tout d'abord les faiblesses de l'OCDE par rapport à la gestion des entreprises occidentales. Et puis alors le rapport, un point intéressant de ce rapport est qu'il donne une définition du concept de pillage, puisque les Nations Unies parlent d'exploitation illégale sans vraiment parler de pillage. Et donc la Belgique a peut-être été un pas plus loin sur la question. Et alors, la commission d'enquête a remis ses propres conclusions concernant l'implication des entreprises. Et là, ce sont des conclusions plutôt décevantes, puisque globalement, ce que ce rapport dit, c'est que la commission manque d'informations sur le sujet. Bon, après, éventuellement, peut-être Raph aura des informations complémentaires à ce sujet également. Alors, au niveau international, bon, donc, je vous disais qu'il y a des grandes entreprises occidentales qui ont été pointées du doigt. Les États limitrophes l'ont peut-être été un peu moins que ces grandes entreprises. Mais par contre, les Nations Unies ont quand même mis en évidence la notion de réseau d'élite. Qui prend en compte en fait toutes les transformations et toutes les stratégies qui ont été mises en place par des groupements économiques et politiques afin de conserver tous ces mécanismes générateurs de revenus, donc finalement tout ce pillage, toute cette exploitation illégale des ressources a été vraiment organisé avec la complicité des gouvernements. Qui n'ont pas pris les mesures correctives qui s'imposaient à ce moment-là. Et alors, enfin, au niveau de la société civile internationale, donc, il y a une campagne qui a été lancée, une campagne qui s'intitule « Publish what you pay », donc une campagne qui s'appuie sur un réseau international d'organisations qui demande aux entreprises et aux États de publier les résultats de l'exploitation des ressources extractives. Et donc, ce réseau « Publish what you pay » est né en Grande-Bretagne et le gouvernement britannique n'y a pas été insensible puisqu'il est à l'initiative l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, qui est donc une initiative internationale qui vise à pousser à plus de clarté dans les comptes qui touchent aux ressources minières. Donc voilà. Voilà, alors j'en arrive à mon dernier point, donc quelle perspective, quelles leçons tirer, surtout quelle perspective. Et donc à ce niveau-là, bon, dans la suite justement de cette campagne Publish What You Pay et de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive,
Il y a toute une réflexion qui avance depuis une dizaine d'années sur la traçabilité des ressources. Et donc l'organisation, la transparence dans la gestion du secteur des ressources minières. Donc voilà, en termes de pistes, en termes de plaidoyer que nos partenaires congolais mènent et que nous relayons autant que possible au niveau de différents réseaux, au niveau belge, au niveau européen, on travaille sur la question de la transparence, du contrôle du secteur, la mise en place donc, de ce mécanisme international de l'ITIE. Le renforcement des capacités des autorités locales et l'implication effective du Parlement congolais et des assemblées provinciales dans la gestion des ressources. On travaille également à soutenir la mise en place de processus de certification. Donc vous savez probablement que par rapport aux diamants, il y a tout un processus de certification qui s'appelle Kimberley, qui existe déjà, qui fonctionne de façon absolument imparfaite, mais bon, qui a le mérite d'exister. Et alors, on travaille évidemment à faire pression pour plus de responsabilisation de nos entreprises, en les incitant, voire en les contraignant à rendre des comptes sur la gestion des ressources. Donc voilà, j'ai presque terminé. Je voudrais encore vous dire un mot sur les réseaux européens dans lesquels on s'implique en partenariat avec le réseau ressources naturelles congolais. Donc au niveau européen, il y a un réseau d'ONG qui travaille sur l'Afrique centrale qui s'appelle ERAC et qui est pour le moment en train de discuter la création d'un groupe de travail spécifique sur les ressources. Et il y a également un réseau européen Une seule planète, qui est coordonnée par le CRID en France. Certains d'entre vous connaissent probablement cette ONG qui coordonne toute une série d'ONG et de mouvements de solidarité internationale. Donc le CRID et ses membres, ainsi que le CNCD 1111 et nos homologues en Hongrie, en Slovaquie notamment, sont partenaires de ce programme, impliquant également leurs partenaires sud. Donc on a ainsi des organisations au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, donc le réseau ressources naturelles dont je vous parle, et en Indonésie. Et ce réseau, Une seule planète, travaille principalement sur 5 ressources qui sont l'eau, les forêts, les ressources extractives, les agrocarburants et les ressources halieutiques. Et alors les revendications que porte ce réseau concernent la responsabilisation des entreprises multinationales. Donc nous demandons l'adoption d'un cadre juridique contraignant pour exiger la transparence et la responsabilité des entreprises multinationales concernant l'impact de leurs activités et également de leurs filiales dans les pays du Sud. Et nous demandons également à ce qu'on permette l'accès à la justice au sein de l'Union européenne pour les victimes de ces activités de nos multinationales. Et la deuxième grande revendication politique concerne la défense des droits des populations locales et des peuples autochtones décidés d'eux-mêmes de l'exploitation et de la gestion de leurs ressources naturelles. Et alors au niveau belge, on a un réseau belge ressources naturelles qui coordonne toute une série d'ONG qui sont intéressées par la question. Et qui donc travaille en partenariat avec le groupe de travail du Sénat sur la question des ressources, en particulier dans l'Est du Congo, et qui interpelle également les cibles politiques européennes pour porter un plaidoyer fort et relayer le mieux possible les voix de nos partenaires en République démocratique du Congo. Alors, je voudrais simplement terminer par vous dire que je transmettrai au CETIM les coordonnées de nos partenaires congolais. Certaines études qu'eux ont réalisées, certains articles qu'eux ont rédigés et qui sont vraiment très très intéressants et remplis vraiment d'informations pertinentes. Vous conseillez également un documentaire qui s'appelle L'or noyé de Kamituga. Kamituga étant une petite ville dans l'est du Congo. Donc un documentaire qui a été réalisé par deux journalistes belges que sont Yvon Lamens et Colin McMahon, dont vous connaissez peut-être le nom puisqu'elle est assez connue pour ses travaux, son suivi de la situation dans l'est de la RDC en particulier. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre indulgence. Et donc voilà, je répondrai avec plaisir à vos questions par la suite. Merci.